Amis Boveca, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de technique taille au ciseau. Oui, il n'y a pas que la ligature pour former des arbres en bonsaï. On peut tout à fait construire nos arbres entièrement au ciseau. La majorité de mes feuillus sont entièrement formés au ciseau. Bien sûr, sur les premières branches primaires, je commence par poser des ligatures pour leur donner la direction. Mais ensuite, tout est fait au ciseau par le choix de la direction des bourgeons. Il arrive des fois que je repositionne une branche dans la construction de l'arbre, mais ça va être juste la branche entière. Je ne vais pas poser des ligatures sur toutes les branches. Déjà, je n'aime pas les marques de ligature sur les branches, car sur un feuillu, une marque de ligature, elle est à vie. C'est-à-dire que ça se verra toute la vie de l'arbre. Donc une branche qui est marquée, c'est absolument pas esthétique. Ensuite, donc, c'est une technique qu'on peut tout à fait adopter sur les épicéas conica, quand ils sont jeunes comme ça, pour les former. Donc là, c'est des épicéas que j'ai déjà travaillé l'an passé. J'avais déjà fait une première sélection des branches, c'est-à-dire que toutes les branches dites en roue de vélo, toutes les branches qui sont les unes en face des autres, ont déjà été supprimées l'an passé. J'étais intervenu aussi un petit peu sur les petites branches en tête, mais un minimum par rapport à ce que j'ai fait cette année, où j'ai vraiment fait une taille, on va dire, rentre dedans pour obtenir ce résultat. Dans la vidéo qui suit, je vous montre toute la technique pour arriver à obtenir toute cette horizontalité et en fin de compte dessiner des arbres qui soient tout à fait cohérents avec le projet. Là, le projet, c'est la construction d'arbres destinés à une forêt. Cette forêt va sûrement être sur un plan incliné. Je ne vous dévoile pas encore quel type de plan incliné je vais utiliser, ce sera la surprise. Probablement, je ferai le montage soit en fin de saison, soit l'an prochain. Ça va dépendre uniquement de la manière dont ils répondent à ce travail. N'oubliez pas que ce sont vos arbres, les maîtres, et non vous. C'est eux qui vous commandent. Si vous sentez qu'ils sont trop faibles, qu'il ne faut mieux pas intervenir, qu'il vaut mieux pas toucher les racines, parce que justement ce travail-là peut les avoir affaiblis, dans ce cas-là, vous reportez le travail. C'est toujours eux qui commandent. Mais si vous faites vraiment une bonne culture, normalement, je pense qu'ils vont très bien répondre à ce travail. L'avantage de l'épicéa conica, c'est qu'il rebourgeonne toujours deux fois dans l'année. Là, il était dans sa période où il était en train, il commençait déjà un petit peu à repartir au niveau des bourgeons. Moi, ce que je veux, c'est qu'il fasse renaître d'autres bourgeons. Sur celui-ci que j'avais déjà fait il y a une quinzaine de jours, vous voyez, on commence à voir les petits bourgeons qui commencent à naître. J'ai dû en enlever même quelques-uns parce qu'ils repoussaient un peu à la base des branches. Donc ça, il va falloir vraiment veiller tout au long du développement à ce que ça ne se produise pas et donc les éliminer au fur et à mesure de façon à garder uniquement le feuillage sur le bout des branches. Donc ça peut sembler beaucoup plus long de travailler entièrement au ciseau sur des branches qui ont énormément de brindilles. Il suffit de poser une ligature, la former et hop, on a notre arbre qui est formé. Mais je pense qu'en utilisant et en travaillant entièrement au ciseau, on obtient quand même des résultats très naturels. Il y a des fois des petites corrections à faire avec des fils, comme j'ai produit ici et sur la tête ici. Mais bon, on essaie toujours d'en faire un minimum. C'est le but dans ce travail-là. Le but, justement, c'est de poser le moins de fils possible. C'est juste faire des petites corrections si nécessaire. Et tout le reste, on choisit les directions pour travailler et former l'arbre. Donc, je vous laisse découvrir dans cette vidéo toute la technique et tout le procédé que j'utilise pour le faire. Épicéa conica glauca, variété que l'on trouve très souvent en pépinière, très compacte, presque trop compacte, mais qui peut être intéressant pour réaliser des bonsaïs. Malgré qu'elle comporte quand même pas mal de petits inconvénients, en particulier de ce qu'on pourrait dire, entre guillemets, une mémoire de forme au niveau des branches, c'est-à-dire que quand on ligature, il a tendance à revenir à sa position initiale. Et souvent, donc, il faut reposer la ligature une deuxième fois, voire des fois même une troisième fois, ce qui pose problème. Cela fait maintenant un an que je les prépare. La première chose que j'ai fait, c'est l'an passé, je les ai relevés de façon à dégager tout le débris. Donc vous voyez, parce que toute cette partie-là, en fin de compte, sur chacun était complètement enterré, des fois même jusqu'à la première branche. Et donc on ne voyait pas vraiment les bases, et certains ont révélé des bases plutôt intéressantes, hein, comme celui-ci, vous voyez, voilà. On a des choses qui sont ressorties assez intéressantes. Là, j'ai déjà commencé un peu la taille sur celui-ci et sur l'autre qui est derrière au fond là-bas. Aujourd'hui, je vais continuer. Alors c'est vrai que j'ai commencé cette taille il y a déjà une quinzaine de jours, et là, ils sont en plein rebourgeonnement. Il est vraiment temps que je m'en occupe.
je vais les travailler entièrement au ciseau. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être quelques repositionnements de branches avec des ligatures, mais je vais en faire un minimum. Ce sont des essences qui ont une tendance apicale très forte. Toutes les branches ont tendance à pousser vers le haut. On va plutôt travailler par la taille donc, de toutes les branches qui montent, justement, et les branches qui descendent, comme sur celui-ci, vous voyez. Essayer d'éclaircir au maximum de façon à avoir des branches et une certaine cohérence. Mon but, c'est vraiment de leur donner un aspect un peu naturel, essayer de s'en approcher, dis-moi, sans poser de fil de ligature. Donc tout au ciseau, et je vais tenter de faire cela maintenant avec vous. Sinon, cette année, ils ont été sujets à une très forte attaque de pucerons kermesse. Le puceron kermesse, on le reconnaît très très facilement par les excroissances. Alors je vais en chercher, voir si j'en trouve. Donc, le puceron kermesse, vous voyez, il produit des espèces d'excroissances, des petites boules comme ça. Et les pucerons sont vraiment à l'intérieur. Je ne sais pas si ça sera bien net, on verra. Vous voyez, j'en ai enlevé vraiment énormément il y a quelques temps. Donc, je vais commencer avec celui-ci. On va commencer la taille. On va d'abord dégager les branches, de toutes les petites branches comme ça qui descendent vers le bas. Et on va continuer vers le haut. Donc, comme je vous disais, je ne poserai pas de ligature et je ne ferai pas de travail donc de mise en forme. Comme le gros conica que vous pouvez trouver ici. C'est une vidéo sans parole, juste des photos qui défilent, qui vous montrent de quoi je suis parti. Et donc, voici la photo. C'est un travail qui commence vraiment à porter ses fruits aujourd'hui. Donc là, on va commencer. Je commence toujours par le bas et je nettoie déjà toutes ces petites branches ici, ces brindilles qui ne me servent à rien. Et je vais tenter d'aller jusqu'au bout des branches, jusqu'à la pointe et nettoyer au maximum. Alors dans une taille de structure pour réaliser un arbre tout au ciseau, ça c'est des arbres que l'on destine à réaliser des forêts. Il est très probable que beaucoup de branches vont être supprimées. Quelque chose qui est très fréquent sur les conicas, c'est les formes comme ça, ce qu'on peut dire en roue de vélo. Donc là on a 1, 2, 3 départs, presque 4 départs au même endroit. Donc là il faut faire des choix et il faut donc sélectionner. Donc déjà on enlève tous ceux qui vont vers l'arbre interne. Puisque, en fin de compte, sur le même arbre, on va considérer que celui-ci, c'est pas une branche, c'est un arbre qui repart vers le haut. C'est la tendance apicale, comme je vous disais, ces épicéas, c'est de faire des branches qui montent, qui montent, qui montent. On va le travailler comme si c'était un second arbre dans l'arbre. On va enlever tout ce qui est apical et tout ce qui vient en direction de celui-ci, raccourcir. On pince en même temps. Donc pareil, hein, là on a deux branches opposées. Moi ce que je fais, c'est que je fais un choix. Celle-là a une forte tendance apicale, donc je vais la réduire. Elle est la plus petite en dessous ici. Pareil ici, on réduit, on enlève la partie qui monte pour aller sur une branche horizontale. Au maximum, on recherche tout ce qui est horizontal. Pareil ici, et on pince au bout pour avoir un peu, et on nettoie un peu les bases des aiguilles. Là, vous voyez, pareil, hein, donc beaucoup de départs au même endroit, on fait des choix. Là, on a gardé beaucoup de ce côté, donc on enlève de ce côté, et on garde la petite courte qui est de ce côté. Et on fait une petite tête en pinçant, comme si l'on pinçait, de façon à refaire former des bourgeons plus bas. Donc pareil, partie apicale, on l'enlève pour garder la branche horizontale. On voit bien les bases, les aiguilles, les bourgeons qui peuvent démarrer en base. Et s'il en redémarre par la suite, on les enlèvera au fur et à mesure. Sur une branche comme celle-ci, donc on a les tendances apicales ici, donc on les supprime et on garde tout ce qui est horizontal. On essaye d'aller le plus possible dans l'horizontalité en fin de compte de la branche. C'est le principe de la taille au ciseau, quoi. Il y aura peut-être quelques petits repositionnements, vous voyez, comme celle-ci par exemple. On sera peut-être obligé de repositionner un peu, on verra. On va attaquer cette branche-là, on fait branche par branche, hein. On enlève les branches opposées, toujours. Tout ce qui est en base de branche, on le retire. Quand il faut dessiner la branche, et pareil, toutes les tendances apicales, on les retire. Ce sera en fin de compte le travail constant qu'il y aura à faire dessus, c'est de toujours enlever cette tendance apicale qu'il a à pousser pour garder cette horizontalité dans les branches, afin de conserver un aspect entre guillemets naturel. Justement, ce n'est pas sa nature de pousser horizontalement. C'est pour ça que je le mets entre guillemets. Mais bon, on veut lui donner l'aspect d'un arbre de montagne, comme si les branches étaient affaissées par le poids de la neige, le poids des intempéries. Donc c'est pour ça qu'on essaye de donner cet aspect. Ça donne un aspect plus vieux, vieilli à l'arbre. C'est là le but recherché en fin de compte. Alors des fois, il ne faut pas hésiter d'être un peu sévère, hein. De toute façon, il va redémarrer, hein.
Prenez qu'on taille au ciseau, on ne veut pas se casser la tête à poser de la ligature partout. On est relativement assez sévère. De toute manière, l'arbre va réagir probablement assez fortement au travail que je suis en train de lui faire. Il va nous refaire de la pousse. Pas hésiter à éclaircir. Hein. Vous voyez, voilà, comme si j'avais formé un arbre, en fin de compte, tout au ciseau. Et là, peut-être qu'elle part un peu loin, cette branche, donc on va la raccourcir un petit peu. Et moi souvent, en fin de compte, le principe il est simple. On commence par le haut de la branche, on enlève les apex en haut, on descend sur la branche au fur et à mesure que l'on travaille. Alors, c'est des arbres que j'ai déjà taillés l'an dernier, où j'avais déjà énormément éclairci. Hein, c'est-à-dire qu'en fin de compte, j'avais enlevé quasiment déjà la moitié de la végétation pour la plupart. Donc toutes les branches, les grosses branches opposées et tout, puisque c'est des arbres qui ont tendance... comme vous le voyez sur celui-ci ou celui-ci, qui ont tendance à pousser très très compact. Vous voyez, c'est vraiment de simplifier au maximum les branches et les emmener vers cette horizontalité que l'on recherche. Vous voyez, hein, tous les boutons naissants sont couverts de pucerons kermesse. Ils sont assez sensibles, hein, donc c'est régulier, on en trouve souvent. Donc moi je les enlève, je tire dessus, je les retire à la main. Étant donné qu'ils sont vraiment à l'intérieur de la branche, il est très très difficile à combattre, de toute façon avec des produits qui ne sont pas systémiques. Donc un produit systémique, c'est un produit qui pénètre dans la plante, dans la sève, et qui empoisonne entièrement la plante. Et donc les piqueurs suceurs sont détruits en pompant la sève de la plante. Ce sont des produits qui aujourd'hui, de toute façon, ne sont plus accessibles aux particuliers, et la plupart des produits plats ont été retirés du marché. Vous voyez, donc on est vraiment éclairci. Hein. De toute façon, ça va se re-remplir hein, et il faudra revenir. Mais bon, on est bien maximum dans l'horizontalité de nos branches. Quoi. Elles montent et hop, elles reviennent vers l'horizontalité. Et par la suite, elles reprendront leur côté apical. Donc ça va nous faire vraiment des branches comme ça qui vont faire des petits bouquets. Elles ne vont pas se redresser, elles ne vont pas monter hein, de toute façon. Elles ne monteront pas plus. D'où voilà, l'intérêt de les faire ainsi, ça évite de poser des fils partout. Il y a énormément d'arbres. Après, comme je vous dis, hein, il y aura juste quelques petites retouches, certainement avec des fils. Mais ça, je le ferai au moment, certainement, de la construction de la forêt. On refera tous ces positionnements-là à ce moment-là. De toute façon, c'est des arbres qui restent souples très, très, très longtemps. Donc, on n'a pas de souci pour faire ça quand on veut. Alors, c'est là, vous voyez, où on a vraiment les gros paquets de branches qui partent toutes au même endroit. Donc ça pose vraiment des gros problèmes. Donc il faut faire les bons choix. On essaie d'être cohérent dans ce que l'on va garder. Ce que je vous conseille de faire quand vous hésitez comme ça, vous les préparez toutes, hein, en gros. Et puis vous voyez celles qui donnent le meilleur résultat au niveau de la finition, quoi. Donc, et vous éliminez celles qui vous semblent ne pas être cohérentes avec la cime de votre arbre. Donc des fois, peut-être une tranche un peu trop forte, c'est pas cohérent. Si je suis sûr de l'éliminer, elle est vraiment trop forte, trop verticale. Le feuillage est loin. Si je l'élimine, celle-ci, pareil, toc, je l'élimine. Là, on a vraiment un gros ménage à faire. On va garder celle-ci pour la pec. Et là, il faudra faire un choix. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Donc celle-ci, je vais la conserver. Je vais enlever celle du milieu. Parce que j'en ai une pareil en dessous. Donc pareil, hein, vous enlevez, vous voyez, donc voilà. Là, vous avez deux branches, une, deux, voilà, parallèles, hein, quasiment au même endroit. Il faut en conserver une, de toute façon. Une ou deux ici. Donc je enlève celle-ci. Et j'enlève celle-ci qui n'a aucun intérêt puisqu'elle n'a aucune branche horizontale mis à part ce petit bourgeon là. Alors éventuellement je pourrais revenir sur le petit bourgeon et faire ceci, mais je vois pas l'intérêt. Donc hop, on élimine. Et on finit le reste. Ce qui reste là, on est peut-être pas trop mal au niveau de la cime. Donc ensuite on pince. On recherche l'horizontalité sur toutes les branches. On nettoie tout ça, vérifie que tout est bien. Dernier petit contrôle. De toute façon, des fois, après, il faut quand même revenir. On revient toujours sur nos arbres de toute façon. Ce travail n'est jamais achevé. Vous voyez, on arrive quand même à des résultats qui sont cohérents hein, et ce que l'on veut obtenir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On est relativement correct. On va passer au suivant. C'est parti pour le second. On y va. Là, vous voyez, pareil, hein, j'ai un tronc et puis là, ça fait comme deux arbres. Donc on va faire un double tronc. Je pense que celle-ci, on va l'enlever puisqu'elle part à la même base ici. Et puis, donc, vous voyez, ce serait beaucoup plus sympa sans. Donc ça, éventuellement, on peut laisser un petit bout de bois. On pourrait peut-être éventuellement faire un petit jean. Donc voilà, pour l'instant, je la conserve. Et puis, on verra plus tard si on fait un jean avec ou pas.
vu l'emplacement, je ne suis pas convaincu. Éventuellement, faire un petit jean très court, voilà, avec un petit moignon, ça peut être relativement sympa. Donc, pareil, on va rechercher l'horizontalité des branches. Vous voyez, là, comme je vous disais, toc toc toc, je descends. Qu'est-ce que ça me semble cohérent dans ce que je veux obtenir? Chose que je dis souvent aux gens qui veulent apprendre, quand vous contemplez qu'il y a quelque chose qui vous dérange, c'est soit vous l'éliminez, purement et simplement, soit vous le repositionnez. Donc c'est ces deux solutions-là qui doivent faire en sorte que ça vous convienne au niveau esthétique dans la manière dont vous contemplez la plante. Dans la forêt, celui-là sera placé par là. On aura un arbre certainement ici, puisqu'on a un beau débarré ici. Donc ici, je vais essayer de coller un arbre très, très près. Quelque part, il faut aussi essayer de visualiser à quel endroit votre arbre, plus tard, sera placé dans votre forêt. Celui-là, il est évident que j'ai énormément dénudé de ce côté. Donc on a beaucoup de branches qui partent de ce côté. C'est un arbre qui peut être sur le côté de la forêt, tout à fait, avec un arbre relativement contre ici, qui sera probablement un peu plus haut. Voilà, l'arbre me semble cohérent avec le projet que j'ai. Donc probablement il sera contre un arbre ici. Voilà, on avance bien. Il me faut à peu près 20 minutes pour en faire un. On va passer 20 minutes de plus sur celui-ci et 20 minutes de plus sur l'autre, et on aura tous nos arbres qui seront prêts pour la future construction de notre forêt. Donc deux solutions, on est sur un conifère, c'est un persistant. S'ils rebourgeonnent bien, qu'ils sont relativement forts pour cette année, je vais bien les nourrir juste à la sortie de cette taille. Je peux réaliser la forêt au mois de septembre-octobre. On est sur du persistant. Le persistant, son enracinement se fait très très bien à l'arrière saison. Tous les persistants, épicéa, pin et l'ensemble de tous les conifères réagissent très très bien au rempotage fin d'été. Je dis bien fin d'été, je ne parle pas d'automne, hein. On parle de fin d'été, c'est-à-dire septembre, octobre, on est en fin d'été. Donc ça leur permet de reproduire leurs racines et de faire un enracinement avant même qu'ils attaquent l'hiver. Je mets en garde, si vous êtes dans une région très froide, il faudra les protéger pendant l'hiver. Ici, il fait relativement doux, donc on n'a pas de soucis. Je n'aurai aucun problème là-dessus. Moi, j'ai constaté très très souvent, en particulier pour le pin, les rempotages réalisés en fin d'été, ils réagissent beaucoup mieux. On fait une mise en réserve, et en faisant une mise en réserve, ils ont reconstruit un nouveau racinaire. L'enracinement était tellement fort juste après le rempotage qu'au printemps, des fois, posé au sol, le conteneur, les racines étaient passées à travers et l'arbre était collé au sol. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ce qui fait qu'ils répondent beaucoup mieux au printemps à ce travail. Et pour vous convaincre de la véracité de ce que je viens de vous dire, ouvrez tout livre horticole. La meilleure période, vous pouvez le lire dans tous les manuels d'horticulture, la meilleure période pour faire de la bouture, pour avoir un bon enracinement, c'est en fin d'été. Ça, vous le trouverez dans tous les manuels d'horticulture. Alors aujourd'hui, beaucoup d'horticulteurs les font au printemps à l'étouffée. Ça fonctionne très bien en les mettant à l'étouffée au printemps. Mais à l'époque, les anciens, ils faisaient leur bouture au mois de septembre. Donc déjà, rien que ça, ça prouve quand même qu'il y a un phénomène qui se produit durant cette période. Allez, on attaque celui-ci. Il est vraiment très très fourni, donc on va y aller franchement. Et on va lui faire sa taille. Donc, on va commencer par cette branche. Alors j'aime bien commencer par le bas et monter au fur et à mesure. Je pense qu'on va quand même lui donner une forme assez filiforme. Étant donné que je vais les mettre ensemble dans une forêt, je vais faire en sorte, vous voyez, de les rendre assez... leur donner une forme assez profilée et pas trop large. Alors ça, c'est un arbre, je vais essayer de prendre ce qu'on va regarder le moins possible de ce côté. Il va aller sur le côté de la forêt, probablement. Donc, on va le nettoyer pas mal. Pareil, on va rechercher toutes les horizontalités. Et on va descendre assez bas sur les branches. Vous voyez, là, j'obtiens l'horizontalité, hein, juste avec cette branche-là. J'enlève ça. Vous voyez, regardez. Hop. Et en plus, j'ai de la conicité dans ma branche. Et je fais pareil au-dessus. Vous voyez, là, on fait le ménage. Sur celui-là, en fin de compte, ça part. Hein.
Pas de cadeau. Vous vous souvenez de la largeur tout à l'heure, vous voyez maintenant, ça a bien évolué. Hein. Alors pareil, hein, on est dans la tête, regardez ce paquet là. Donc le pompon, on n'en veut pas. Donc il faut faire des choix. Faire les meilleurs. Un de plus, on a quelque chose de cohérent avec le projet que l'on veut faire. Donc entièrement travaillé au ciseau, ce que l'on arrive à faire sur un épicéa conica sans avoir posé un seul fil de ligature. Il est évident qu'il va vouloir repousser fortement, et il va vouloir refaire des bourgeons partout. Donc nous on va faire des petits bouquets comme ça sur ces branches là qu'on a conservées. On va faire en sorte que la végétation reste compacte sur ces branches horizontales. À voir après comment ça se passe. Toujours revoir et revenir régulièrement sur les branches. Bien écoutez, on va passer au suivant. Il nous en reste plus qu'un. Voilà, donc celui-ci, c'est le plus grand que j'ai. Donc ça va être l'arbre dominant dans la forêt. Je me posais la question à savoir si je devais le tailler ou alors le laisser encore pousser tel quel, sans le toucher pour que justement il prenne un maximum d'énergie et qu'il grossisse. Mais je me suis dit, après, construire cette forêt tout en même temps, je vais avoir des arbres bien avancés dans le travail et celui-ci qui sera en retard. Bon, ben, j'ai dit non, on va tous les travailler en même temps. Et ainsi, on aura des arbres qui seront tous avancés au même point. On sera au même moment dans le travail. Je pense que par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des petits conicas. Il n'y a pas que des grands arbres dans une forêt, il y a aussi des petits. Donc celui-ci, assez grand, assez élancé, en pareil, hein, on va faire le ménage dedans hein, et garder tout ce qui est horizontal. C'est parti. Donc là, cette branche-là, elle est assez horizontale, elle n'est pas terrible. Par contre, elle est en face d'autres qui sont beaucoup mieux. Hein, donc celle-ci, ben, on l'enlève. Voilà, sur celui-ci aussi, le travail est terminé. Voilà, on a fait quelque chose d'assez élancé, beaucoup plus haut que les autres. Donc ça va être certainement l'arbre dominant dans notre forêt. Voilà, assez élancé, il est pas mal. Hein. Il a des barils assez jolies, donc ça devrait donner quelque chose de sympa. Donc on reviendra encore dessus régulièrement pour vérifier un peu comment tout ça démarre. Il va falloir surveiller maintenant. Voilà, je suis bien satisfait quand même du travail que j'ai réussi à réaliser sur ces arbres. On a quand même des branches bien réparties, les formes que je souhaitais avoir sont là. On n'a pas besoin de poser de fil quasiment sur pratiquement aucune branche. Il va y avoir peut-être quelques petits rectifs à faire, mais il n'y aura pas grand-chose. Probablement, elles se feront sûrement au moment de la construction de la forêt. Vraiment, franchement, je suis satisfait. Maintenant, je vais surveiller tout au long du développement et de la réponse qu'ils vont faire à ce travail-là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je vais devoir ébourgeonner au fur et à mesure les branches sur les intersections pour éviter qu'il y ait trop de bourgeons qui partent au même endroit, de façon à ce que le feuillage soit contenu sur les extrémités. Prochaine étape, le rempotage. Donc, soit on construit la forêt, soit on rempote. Comme je le disais au début de la vidéo, ça va entièrement dépendre de la réponse à ce travail. Même si je ne construis pas la forêt, dans tous les cas, je travaillerai le racinaire en fin de saison. Je les mettrai dans un substrat type pumice, de façon à ce qu'ils produisent un maximum de radicelles pour par la suite, justement, qu'ils soient bien prêts pour la construction de la forêt. Comme je disais au début de la vidéo, peut-être je peux construire la forêt en fin d'année, ce qui n'est pas sûr du tout. Je préparerai quand même le support sur lequel ils iront, mais si en dépotant et en défaisant les mottes, je me rends compte que le racinaire n'est pas suffisant pour qu'ils puissent supporter la mise en place sur un plan incliné en taillant énormément les racines. Dans ce cas-là, je reporterai le travail, je les rempoterai tous quand même, mais dans un mélange adapté avec de la pumice, pour qu'ils me refassent justement un racinaire. Il faut savoir des fois reculer pour mieux travailler. Il est probable que je fasse ainsi pour me donner le maximum de garanties pour leur survie et pour leur bonne santé. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là.
pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur abonnez-vous et à cliquer sur la petite cloche tout de suite derrière pour recevoir les notifications. Et bien sûr, un petit pouce pour m'encourager à vous apprendre à faire du bonsaï par vous-même avec des arbres que vous trouverez chez votre pépiniériste ou dans la nature. À très bientôt pour une prochaine vidéo.